c'est Guilherme Delva. Moi parler un peu de résolution ça. Résolution ça pas de force contraignante. C'est une résolution qui nous prend nous-mêmes dans le Sénat, nous dit opinion, non, mais c'est pas bagage qui force contraignante, qui est obligé de faire. Non, attention, hein? Ça c'est pour un bagage. Guilherme. Oui. Guilherme. Yes. Allô. Maintenant, oui, oui, maintenant. Oui. Ok. Ouais, résolution. Je trouve tous les actes de l'exécutif, de législatif, qui est publié dans le moniteur, parce que c'est le président publié. Oui. Ok. Il y a d'exécution. Non, je n'ai pas fait ça. Tout acte qui est publié. Pas fait ça, sénateur. Ouais. Pas fait ça. Non, sénateur, attendez. Une résolution, une résolution. Oui, maintenant, oui. Allô, allô? Oui, m'tadoui, sénateur. Oui, oui. Oui. Moi, par contre, moi, blingé numéro article là, mais gardez dans la zone 120-121, tout acte qui législatif qui est publié, il y a une force exécutoire. Non, non, c'est pas. Bon, jusqu'à ce que. Où l'on dit ça? Si vous l'on dit ça, bon article. C'est qui ça dit ça? Ok, donne-moi un article à cause de ça, s'il vous plaît. Pas vous, monsieur. Je ne sais pas si j'ai exactement. Ah, eh bien, cherchez-le, moi. Cherchez-le, moi, monsieur. Non, je ne vais pas chercher. Où qu'il va chercher le tout? Oh, même. Bon, 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 bon. Non, 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 non. Bon, m'a cherché. M'a cherché. M'a cherché. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas de ça que parler. Résolution. Écoute. Attendez. Si vous voulez lire l'avant. Bon, pas de problème. Comme journaliste, ou trois émotifs. Non, c'est parce que. Parce que tellement qu'on constitue, je ne pas songer, moi, ça. Non, tellement, non, pas de dit. Attendez, leur dire parler de. Il n'y a pas de loi, de acte exécuté, comme si pour l'officiel, font dans le moniteur. Écoute. C'est leur sortie dans le moniteur librement des caractères officiels pour l'État, mais c'est pas. Une résolution du Sénat, attendez, une résolution du Sénat, une résolution de la Chambre des députés, vous êtes une résolution. Il n'est pas opposable à l'exécutif. C'est une résolution. Écoute, ça n'est pas opposable à lui-même. Après, une fois objection, nous, qu'un peu position, nous voter même gens, eh bien, c'est une loi. C'est pas. Écoute, résolution pas opposable à aucun monde. Écoute, une résolution. Résolution, laisse-moi te dire quelque chose. Bonjour, madame. Premièrement, je vais me prendre là, comme moi-même, moi en déplacement. Je vais me prendre là, regarder et constitution. Ça, c'est pas problème. Mais deuxièmement, je vais te dire. Oui. C'est le président qui avait réuni sa majorité qui demande des résolutions. Hein? Non, pas de problème. C'est un jour, je parle de résolution, pas de force contraignante. Non, je vais parler avant. Je vais parler avant. Le président qui réunit sa majorité et qui m'a dit que si nous avons une résolution pour avancer la situation. Mais c'est bien, même du résolution par les forces contraignantes. Ok, bon, bonne chose. Question pour parler. Donc, vous défendez. Nous ne pouvons pas dire tout ça. Nous ne pouvons pas dire tout ça. C'est juste parenthèse. Sénateur. Le président qui demande des résolutions. Sénateur, c'est juste. Le président. Non, c'est juste parenthèse. Non, sénateur. Sénateur, ma boule. Regardez, où est mon moyen? Le président qui m'a préparé une résolution pour lui. On passe sous ça. On passe sous ça. Il va l'exécuter. Non, ce n'est pas un test. Et puis, il faut dire à la mettre au monde devant pour venir dire que il peut se renégocier. Mais pour l'agir, il n'y a pas besoin de résolution. Pour l'agir, non. Pour l'agir, il n'y a pas besoin de résolution. C'est très bien. Alors, quelle question je pose là, sénateur? Par exemple, vous parlez de 60 millions de dollars que nous avons économisé. Est-ce que, ou même, vous connaissez que les compagnies. Et l'électricité, ils étaient déjà d'accord pour 60 millions, pour faire réduction ça, pas, déjà on dit pas qu'il y a une négociation par Chita avec le président pour barrer la fête. Mais ou même que tu as totalisé, ou faire au budget, ou avoir bailler des chiffres, ou totaliser, mais combien l'État a gagné? Comment on fait comme ça? Il faut qu'on attende, mais on va attendre. Non, on attende. Il faut qu'on attende. Moi, je dis une proposition qui était faite depuis sous président privé par le ministre Bastien, qui était proposé pour que le contrat s'aille, il y aurait 285 millions à 125 millions. J'ai proposé, mais par contre, si vous n'êtes pas d'accord, nous même fait un calcul, oui, là. Attends une minute, frère. Attends une minute. Vous posez une question, sans me répondre. Je pense que c'est le principe radio à ça. Non, mais c'est certain. Ok. Moi, je dis une proposition qui est faite, quand il a été proposé, réduit à 60 millions. Et proposition ça, président qu'on aime, tout le monde qu'on aime, et notre proposition, nous t'a dit que, dans les renégociations, nous avons remis l'exécutif là, lui adopter ça. Parce que ça permet que lui économiser 120 millions, qui va permettre que y ait un réseau national que le président est venu avec pour que lui te refaire.
Donc moi-même, ma parole à partir d'une référence que l'exécutif là te proposé. D'accord. Ou bien dire son proposition. Mon proposition, mon compagnon qui n'a pas d'accord, il était challenge, tout le monde a passé. Mais j'ai mon calcul là, comme je ne vais pas accepter qu'on gagne maintenant millions de dollars. Vous parlez de imposition, comme je comprends bien. Mbapoudou, il a pu négocier à partir de propositions. Très bien, très bien. Donc, ça, ça, très bien. C'est très bien. Dans le meilleur des cas, mais contre ça, ça travaille comme économie pour l'État haïtien. Très bien, mais c'est pas parce que certains qui ont fait le calcul, mais ça l'État pour l'économiser parce qu'ils ne connaissent pas si vous avez. Oui, mais vous ne connaissez pas de quoi c'est une négociation. Oui, très bien. Ok, très bien. Non, bien content pour te présenter. Ok, bien content pour te présenter ça. Mais ça me donne vraiment d'autres juges, sénateur. Et où dit par exemple, gagner. Par exemple, pour le contraire. Même dans mes opinions, parce que je connais vous-même toujours inquiété sur ces deux bagailles. Et il parlait de corruption, de trafic d'influence, côté Mouno Jouen, tout ces deux contrats avec un paquet d'avantages, bon, il y a tête, yo. Bon, attendez, trouvez-vous à moi, ou vous rencontrez un sénateur? Si moi j'ai un contrat avec un sénateur, oui. Oui, je vais un contrat, oui. Ok, est-ce que c'est vrai? Parce que là, on va éclairer tellement. Je dis par exemple, si je prête un cob, non, mais on ne compagnie ça, et parce que je prête un cob, je vais une franchise. Est-ce que c'est vrai, par exemple? Parce que vous prêtez un cob. Non, vous prêtez un cob. Vous prêtez comme ça, vous prêtez ce jeune cob là. Et puis, pour le faire faire parler, mais pour peut-être vous prêtez le cob là, moi-même, moi gagne un avantage. Moi, je suis question franchise, etc. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne vais pas dire ça. Moi, je lis des avantages fiscaux que vous accordez, que nous avons dit que avantage c'est un bagaille. Par exemple, il y a des avantages que pour moi, je suis avec actionnaire, ça n'a pas accompagné ça. Parce que j'ai même quand il parle. Donc, il y a d'autres avantages. Moi, j'ai certains d'autres avantages par rapport à prix courant. Et ça, il est dans la lecture contre eux. Nous pensons que c'est des avantages qui ne sont pas bons. Et que nous devons regarder. Et depuis 2017, moi, je pense que techniquement, ce président est venu avec un technicien qui est venu expliquer nous, côté que l'ITK fait changement, yo, et nous sommes d'accord. Donc, je dis à moi, parce que technicien président, puisque le président est Menel, et que lui-même, tout, il est venu comprendre la question, je pense que l'idée. Oui, sénateur, nous parlons rapide. Attendez, vous parlez d'abord, sous contrat, vous êtes d'accord que le contrat, ça, il n'y a pas d'intérêt. Peut pas ici pendant l'intérêt l'État ici. Est-ce que vous d'accord avec ça ou vous avez une objection? Non, Frédéric. Non, qui si je dis à Guy, même quand il m'a entendu, vous comprenez. C'est-à-dire qu'en 2017, Sénat a dit que contre Ayo, il faut renégocier. Ok, parce que vous n'avez pas payé. Donc, si Sénat a dit qu'il faut renégocier, si le président a demandé nous pour nous appuyer dans la négociation, nous devons entendre que mes actes que nous allons poser législatif pour nous faire, moi je crois que je dis à président Paka a dit que la plaignée que gagne des contrats. Il est le président. D'accord. Lui gagne accord aux institutions que tu le Sénat pour te faire. Lui te demandé entrepreneur Yopio Vinchita. Je dis à tant qu'il y a démagogie, pas de plaignée, pas de volonté. Bon, le président devrait agir. Très bien. Et Josia n'a pas agi président, il fait l'État avec du corps. Très bien, ok. Moi, je parle en pile de 2017, ça me va dire, mais je ne veux dire, comme si mon collègue posait là, qui ça n'a fait? Qui ça d'abord même qui besoin fait? Je dis, le président, il fait publier une résolution, il fait déjà fait ça, il fait faire en octobre là, il fait négocier contre elle. Ok, mais vous parlez de l'autre compagnie, vous dites qu'il a essayé de faire l'autre compagnie venir remplacer ça qu'il a eu. Qui est normal. Même penser que vous-même, sénateur, vous la torture au courant. Comment c'est normal? Remplacer des contrats que nous jugeons que vous devez négocier? Non, comment? Je ne vais pas parler même contrat. Non, attendez, sénateur, au courant ou même au courant que il y a tout un processus qui met en place pour démocratiser la question de la distribution courant électrique. Par exemple, selon ça qui fait là, qu'a fait là, et moi-même, Edmond, Mano là, Tom là, si nous sommes là, nous quatre là, nous avons dit, nous mettons ensemble, bon, nous responsables pour nous quartier ça courant. Et puis, il y a payé nous-mêmes, nous payons déjà, et puis il y a payé. Est-ce au courant de ça? Ça écoute, non, est-ce au courant de ça? Non, qui t'aime répondre? Oui. Écoute, c'est pas une question de vouloir ou pas. Il y a une loi, il y a un décret, oui, c'est ça. Okay. Votre décret que le président Martelly prend en janvier 2016,
qui libéralise les questions. Ben voilà. Donc depuis 2016, il y a la loi qui le dit. Okay, bon, pas... n'a plus... monsieur, là, nous posons une question qui te répond. Non, mais il y a... C'est-à-dire que un décret qui crée l'ANAC comme régulateur okay. et qui mettait EDH comme entrepreneur public, côté quelqu'un d'autre qui va le venir. Okay. Et c'est à partir de ça que le réseau national l'a fait au Rochelle pour l'autre compagnie au Cavini et eux-mêmes. Mais la seule chose, il n'y a pas simplement la production. Il y a la production, mais c'est eux qui sont... pour ramasser comme la tour. À l'époque, sénateur... La circulation, c'est yo. À l'époque... Donc, à partir de ce moment, c'est pas... Nous vivons dans l'État démocratique. Bon décret qui vient force de loi. Bon décret qui vient force de loi. Qui dit ça. Donc, aujourd'hui, on ne demande que l'application. Ok, sénateur, ne m'en pense à contre ça, on t'a signé. Il y a pas d'allemand qui suivait des comptes, pas de parlement à l'époque. À l'époque, ça n'a pas de parlement, ça, yo? Non, l'ancien contrat au parlement. Okay. L'ancien contrat, on a coup des comptes. Oui, bas ce bat là. Marché plus non, coup des comptes. CNMP, bat là. Écoute, moi je pense que contrat, yo, l'engagé, yo, nous est tout acteur ça aussi, hein. Yo, tout le signe. Il revient maintenant à l'exécutif là pour négocier contrat, pour le poser problème. Parce que là pour négocier, il faut le parler avec l'institution ça. Yo. Et c'est pour cette suite ça que nous avons besoin de lancer. Oui, qui fait nous voter résolution. Pas qu'il y ait le bas encore, non? Très bien. Donc je dis, c'est pas au Parlement de renégocier de demain, c'est à l'exécutif qui a le mandat, immédiatement que l'IT joue la pluie, non, pour le faire une négociation. Ok, comme Léa va arriver sur nous là, où dis-nous deux en déplacement, séance ratification en fait d'aide ou pas dans la séance là? Bon, bah qu'on est pour se poser des questions. Vous entendez vous fixer l'heure? Comme sénateur. Est-ce qu'on entend de vous fixer l'heure? Non, je vais vous former commission. Nous tout profiter de vous combien de temps dehors parce que vous allez faire commission. Non, moi pas dehors, lors de déplacement, quand même, non, machine. Ah, ok, ok. Mais ah, dis, ah, ça se réponse militaire. Ça se réponse militaire. Si que, si que, si qu'on date là, vous avez dit que, est-ce que vous avez là, jusqu'à présent, ma connaissance, vous avez une date. Oui, nous ne baguions tout. Et si vous avez une connaissance, mais est-ce que vous avez un pays à besoin du gouvernement là, Kounia là, immédiatement? Non, c'est pas ma position. C'est pas ma position. Ça, nous avons fait un débat si nous voulons inviter. Mais moi, nous avons fait déjà sur Azoukaï. Pas qu'on paye à l'heure du gouvernement là. Et l'homme va aller m'assumer. Ok. Ok. Mais t'as dit. L'homme va aller m'assumer. Okay. C'est pas ma position. Et nous pensons que nous connaissons toujours parler là. Et quelle que soit la situation, nous toujours répondre à Azoukaï. Donc, si nous voulons peut-être demain ou après, la formation sur ça. Pas de problème. Mais dernier bagage, du sénateur. Moi, j'ai une inquiétude au DPI à parler de 2 milliards 100 millions de dollars. Attendez. Sénateur, pour n'a pas d'un pays, vous parlez de dette de 2 milliards, 100 millions de dollars. C'est là, voilà, non. Pourquoi non, c'est d'où on va droit, c'est que dans l'État, ça, oui. Non, pas là, pas là. Non, attendez, c'est d'où on va droit. Non, oui, attendez. Regardez, ils sont les questions très légères. Non, on va pas finir de dire. C'est d'où on va droit qui vient dans l'État, ça, on va droit, c'est. Pour ça, position femme, si on dit ça en Haïti, je connais pays aïe là. Je connais comme là-bas, c'est dans le Pétro-Caribe. On dit qu'on nous doué toujours. Bon, moi-même, moi je connais pas de là. Nous avons besoin de répondre. Ok, attendez. Mais qui ça fait du fort à. C'est doué, ou besoin. Ou pas doué là, dit tout. Là, ou pas doué même. Vous comprenez ça? Pour, ou t'as supposé qu'à prêter comme, ou à faire infrastructure, ou à booster l'économie, ou à booster l'agriculture, ou à faire tout le bas, ça pour le bord des revenus, tout, pour le permettre, ou des productions nationales, toutes deux vis, sur question de devises, on pourra le genou souffle, tout le bon bagage. Mais pendant ce temps, ou mettre les pays à nos niveaux, d'où est les États-Unis, comme ils ne doivent pas contrôler. Comme si tout pays développé, comme ils ne doivent pas contrôler. Ça veut dire qu'ils ont dit. Pardon? 4 milliards, 200 millions de Caribéens. Et mais c'est ça qui va permettre l'économie de marché, ça qui va permettre nous des moyens pour que nous développions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire comme si d'où est-ce que c'est pas un problème pour d'où. C'est effectivement, faut faire des bagages sérieux avec elle, faut construire avec elle, faut investir dans l'économie, faut investir dans le social, faut investir côté pour investir. Mais avec de ou dire 2 milliards de dollars, c'est qui ça? On d'accord avant, mais nuance là, c'est quoi? C'est un budget, et budget, n'importe quelle université là aux États-Unis, 2 milliards de dollars, c'est un budget au petit pays là, au pays non, ou université là.
Moi d'accord, parce que nous avons des députés à nous donner avec. Oui. CNDDR.